nous sommes de retour à Dieppe, en direct, sur le Tour de France à la voile, sur le quai Henri IV, où le soleil est toujours là, et forcément, on en est ravis, avec deux nouveaux invités. Tout d'abord, Dominique Garçonnet, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe, bonjour à vous. Bonjour. Et monsieur Patrick Côtelet, vous êtes le président du FC Dieppois, bonjour à vous. Bonjour également. Alors, on va parler de la Chambre de commerce tout d'abord. On va la présenter globalement, puis après, évidemment, votre implication au niveau de ce Tour de France à la voile. Juste la présentation globale, nombre de ressortissants sur la Chambre de commerce et le territoire géographique aussi. Alors, le territoire couvre 7 cantons et 3 700 à 3 800 entreprises, essentiellement des entreprises commerciales et un tiers d'entreprises industrielles. Alors, les grandes industries sur Dieppe, les grands noms, c'est Nestlé qui parle tout de suite. Les trois grands noms, c'est Nestlé, Toshiba, Alpine, bien sûr. Mais à côté de ça, il y a une multitude de TPE, PME qui comptent de 30 à 50 personnes et qui ont de vrais savoir-faire, notamment en matière de mécanique. L'alimentaire reste toujours un élément important. Il y a Davigel aussi qui fait partie, son lien avec Nestlé est important. Voilà, quand je parlais de Nestlé, j'incluais bien évidemment Davigel. Et effectivement, il y a une filière agroalimentaire sur le territoire qui est importante, mais avec des disparités entre des grands noms comme Nestlé et des petits producteurs. Il faut un petit peu de tout, quoi. Tout à fait. Alors, quelle est la dynamique aujourd'hui autour de la Chambre de commerce de Dieppe? Est-ce que des entreprises arrivent, ont envie de vivre dans ce territoire? Alors, quelques entreprises se créent, fort heureusement, mais globalement, on a maintenu déjà le tissu industriel, et c'est déjà une bonne chose dans le contexte que l'on connaît au niveau national. Et puis, on a de belles perspectives. On a un vrai savoir-faire, je vous l'ai dit, mais de belles perspectives avec les chantiers nucléaires, l'éolien offshore et la renaissance d'Alpine, qui laisse espérer quand même de beaux lendemains. C'est vrai que les deux grandes nouvelles, évidemment, parce que l'EPR, on est encore toujours en attente, on espère évidemment, mais les deux bonnes nouvelles qui arrivent, c'est le chantier éolien évidemment, et Alpine, on avance. Ils étaient sur les 24 heures du Mans il y a quelques semaines. On sent que ça frémit presque. Oui, tout à fait. Et la première berlinette devrait sortir en 2016. Inutile de vous dire qu'on a déjà passé l'un et l'autre une commande pour avoir le produit Made in Dieppe. Mais je vous arrête sur le nucléaire. Le nucléaire aujourd'hui, c'est aussi des chantiers sur les centrales existantes qui mobilisent ce qu'on appelle les grands carénages, qui mobilisent de nombreuses entreprises et de nombreux employés. Alors, sur le tissu Dieppois, il y a combien de personnes qui travaillent concrètement dans toutes ces entreprises? On a parlé d'entreprises, mais il y a des gens dedans. Oui, derrière des entreprises, il y a bien évidemment des hommes. Ça représente environ 22 000 emplois. Donc c'est important sur une commune qui en fait à peu près entre 40 et 50 000 emplois. Dieppe avec l'agglo fait 50 000 personnes, effectivement, et on a 22 000 emplois sur le territoire que nous couvrons. Et après, est-ce qu'il y a de plus en plus, j'ai l'impression, des Dieppois qui viennent travailler sur l'agglomération de Rouen ou pas? Vous essayez justement de les retenir autour de ça? On a, à contrario, des Rouennais qui viennent travailler à Dieppe. Mais dans certains métiers, et je pense surtout aux étudiants, le problème se pose plus avec les étudiants. Les étudiants sont bien évidemment obligés de quitter Dieppe pour aller en études supérieures, plutôt du côté de Rouen. Ouais, puis les Rouennais diront que les Rouennais vont en études à Paris. Donc après, on est sur un chemin. On est sur le Tour de France à la voile, en direct, à Dieppe. Il fait beau, il y a du soleil. Quel est votre rôle sur ce Tour de France à la voile? Alors, nous sommes les porteurs du projet et de l'initiative du Tour de France à la voile à Dieppe, puisque depuis 26 ans, nous organisons cette étape à Dieppe. Nous finançons cette étape à Dieppe avec nos partenaires, la région, le département, le syndicat mixte du Port de Dieppe et la ville. Et pour ceux qui ne sont pas forcément au fait, c'est un peu comme le Tour de France en vélo, c'est-à-dire que la commune paye pour être présente en étape. En l'occurrence, ce n'est pas la commune, c'est bien la chambre de commerce. Voilà, justement, ça... Mais avec le concours, bien sûr, de la communauté d'agglomération, la ville, le département et la région et le syndicat mixte du Port de Dieppe qui nous prêtent en concours. Mais l'essentiel est porté par la chambre de commerce et l'industrie de Dieppe. Alors, il y a des stands qui vont voyager un petit peu partout dans toute la France et puis il y a des stands du coin. Exactement. Le village est composé de standistes qui sont des marques nationales, qui suivent le tour sur l'ensemble de l'épreuve, et puis des standistes que nous recrutons, qui viennent faire du commerce sur l'étape dieppoise. C'est comme si on était sur une foire, c'est un petit peu le même principe que la foire de Dieppe, un petit peu ça. Exactement. Quel est l'apport concret d'un événement comme celui-ci en termes d'image? Alors, je vais vous donner quelques chiffres. L'année dernière, le Tour de France, c'était 103 000 personnes qui ont défilé sur ce quai Henri IV, là même où nous sommes installés. D'accord. Et sur les trois jours, et environ 15 millions d'euros de retombées médias pour l'épreuve. Et bien sûr, dans cette épreuve, on parle de Dieppe. Donc on ne sait pas mesurer précisément la part qui revient à Dieppe, mais c'est en centaines de milliers d'euros. Donc ça veut dire que c'est comme si Dieppe, ça lui coûtait une certaine somme pour aller faire de la pub sur les grandes Exactement. Chaînes nationales. Et proportionnellement, ça coûte moins cher de faire... Exactement, on parle de nous partout en France et à l'international, puisque cette épreuve est couverte aussi par des médias internationaux. Donc c'est l'image de Dieppe qui en bénéficie. Et puis il y a des retombées directes pour les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs. Sur certaines époques, comme celle-ci par exemple, quand il fait beau, on peut estimer à 20% le chiffre d'affaires en plus sur des périodes similaires à celle-là. Toujours sur ce principe-là,
Est-ce qu'on imaginerait qu'une année, le Tour de France à la voile n'irait pas à Dieppe? J'ai l'impression qu'il y a des villes qui sautent alors que Dieppe est toujours représentée. Dieppe et le Tour de France, c'est une longue histoire d'amour puisque c'est pour la 26e fois le Tour de France passe à Dieppe. Consécutive. Alors, 24 consécutives, 26 au total. L'année prochaine, le Tour de France ne viendra pas à Dieppe pour la simple et bonne raison que nous avons décidé d'alterner. Vous savez que nous organisons aussi la solitaire du Figaro, oui, ici, l'arrivée. Nous avons décidé d'alterner les deux épreuves. L'année prochaine, nous recevrons la solitaire du Figaro et l'année suivante, à nouveau, le Tour de France. Est-ce que c'est un peu comme les cerfs-volants? C'est bien de donner envie aux gens une année sur deux, comme ça? Oui, voilà. Je crois qu'il ne faut pas non plus trop répéter les événements parce que ça perd un peu de sa rareté et tout ce qui est rare est cher, mais aussi tout ce qui est trop fréquent n'intéresse plus. Le lien va être fait directement avec vous, Monsieur Coquelet. Le fait qu'il y ait des événements comme ça à Dieppe, quand vous allez chercher des partenaires ou vous présenter sur les délégations au niveau national, est-ce que forcément on vous parle aussi de Dieppe sur ce type d'événement? Bien sûr, puisque là on considère que c'est la défense de l'intérêt général. Et l'intérêt général, il est vrai dans le sportif comme dans l'institution de la Chambre de commerce. Donc vous êtes tous unis pour que Dieppe, on parle de Dieppe pour résumer un petit peu. Exactement, il y a vraiment une équipe d'acteurs au niveau de l'économie du tourisme qui s'est mise en place depuis quelques années à Dieppe et je crois qu'on fonctionne tous sur le même modèle et pour le même objectif surtout. C'est on va parler sport maintenant avec vous, Monsieur Coquelet, président du FC Dieppois. Il y a une, alors sportivement, il n'y a pas photo, vous étiez là, vous étiez en CFA, maintenu presque mieux que Quevilly à certains moments de la saison, mais économiquement ça a été compliqué. On veut, évidemment, on sait, on connaît la bonne nouvelle, vous allez de nouveau continuer en CFA. Racontez-nous les dernières semaines, les derniers mois, comment ça s'est déroulé? Il a fallu aller gratter un peu partout, c'est ça? Ah ben effectivement, vous savez, aujourd'hui il y a le soleil, je suis ravi qu'il soit au rendez-vous, car il y a deux mois, j'avais quand même plus de difficultés qu'aujourd'hui, à savoir que les contraintes budgétaires sous l'autorité de la DNCG nous conduisaient à renforcer les fonds propres du club et il fallait trouver l'argent. Aussi, un élan gigantesque de solidarité avec ce comité de soutien au FCD, avec les sponsors, avec également les partenaires. Nous avons réussi et puis les collaborations également des autorités locales, donc l'agglo plus le maire, nous ont permis, par cette association de talents, car je considère que tout le monde a joué son jeu, eh bien, nous a permis de défendre un projet auprès de la DNCG. Direction nationale du contrôle de gestion, c'est le grand comptable du football. Il est incontournable et si nous ne montrons pas une situation positive, malheureusement, nous risquions à l'époque la rétrogradation. Donc nous avons appris la bonne nouvelle il y a quelques temps, il y a à peu près une quinzaine de jours, et aujourd'hui nous préparons activement la saison 2014-2015. Alors, dans la deuxième partie, on parlera avec votre entraîneur général un peu du sportif. Monsieur Garçonnet, le fait que Dieppe continue au football, forcément, au niveau de la Chambre de commerce, ça fait partie des éléments importants d'avoir des clubs phares dans le sport. Complètement. On favorise la culture, le sport et tout ce qui peut en fait apporter un peu de lumière sur la ville et sur l'environnement de la ville, de l'agglomération. Et le foot contribue effectivement à cette bonne image qu'on veut donner du territoire. On a d'ailleurs participé au mouvement collectif qui s'est mis en place autour du FCD. Tout le monde effectivement a travaillé autour. Moi, ce qui m'intéresse toujours, je suis toujours très étonné quand on regarde la fréquentation. C'est incroyable, on est sur un club de CFA. Alors je mets pas du tout, je dénigre pas, mais c'est vrai qu'on est quand même sur la 4e division. Vous arrivez à chaque fois entre 1000, 1500 voire 2000 personnes sur un championnat de CFA qui intéresse globalement pas grand monde. À Dieppe, il y a un succès fou. Alors je parle même pas des matchs contre Nantes en Coupe de France, évidemment. C'est le mouvement populaire, il est là aussi sur le football. Alors vous avez parfaitement raison. Moi, je connais le FCD depuis peu, depuis que je suis au comité directeur, il y a à peu près 2 ans et demi. Et il y a un lien particulier entre ce territoire diepois et son FCD. Cette équipe-là et ce club-là, qui regroupe, ne l'oublions pas, près de 350 licenciés, donc qui est orienté vers la jeunesse, c'est démontrer que le territoire a les capacités de rivaliser avec les plus grandes villes aux alentours.
Alors juste en même temps, il y a Eric qui est notre caméraman. Tous les bateaux donc, qui étaient au Tour de France tout à l'heure, qui ont fait des étapes sur la plage de Dieppe, sont en train d'arriver juste à côté de nous. On est placé vraiment idéalement et on arrive au fur et à mesure. Et oui, l'équipe Normand est arrivée. On aura les classements tout à l'heure avec le directeur de la course. Un dernier mot, ces trois jours, c'est la fête quand même à Dieppe. Il y a la musique, il y a l'ambiance. Ça donne aussi envie hein, tout ça. Exactement, vous avez tout résumé. Ce moment doit être festif, même s'il y a une compétition. À terre, en tout cas, ça doit être la fête pour l'ensemble des Diepois qui viennent participer à l'opération. Merci à tous les deux. Merci. Bon vent à Dieppe, forcément, c'est obligatoire. Tout à fait. Juste deux petites secondes. On va retrouver donc Alex, toujours en vadrouille. Je crois qu'il est en train de faire du massage cardiaque ou ça y ressemble presque. C'est parti, Alex. Oui, Régis, tout à fait. Bien, je me trouve ici devant le stand des sauveteurs en mer. Alors, comme vous pouvez le constater, vous êtes ici devant un mannequin et je rejoins notre ami Jean. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, vous êtes responsable ici ? Oui, tout à fait. Nous accompagnons le Tour de France à la voile. Donc, l'association des sauveteurs en mer, la SNSM, en fait, propose des initiations au massage cardiaque notamment, à l'utilisation du défibrillateur. Ce sont des choses importantes parce qu'elles permettent de sauver des vies, de nombreuses vies. Il faut savoir que nous sommes une association qui est présente sur 221 points du littoral, donc on essaye de se faire connaître. Ce qui est important à savoir, c'est que nous sommes financés à plus de 80% par des dons d'origine privée, par le public. Donc on essaye vraiment de se faire connaître. Nous assurons donc la sécurité un petit peu sur le littoral et puis nous intervenons sur les personnes évidemment en détresse. D'accord. Alors là, on est en pleine démonstration. Peut-être pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe à l'instant ? Tout à fait. Donc après avoir montré en fait le fonctionnement d'un massage cardiaque, nous montrons le fonctionnement d'un défibrillateur qui permet de délivrer un choc électrique à une personne en état d'arrêt cardiaque. D'accord. Donc c'est Éléonore hein, qui s'y colle pour cet exercice. Alors, on y est, on le fait. Quand il dit de s'arrêter, on s'arrête. Quand il dit de reprendre la RCP, on la recommence. Et quand il dit de choquer, on choque. Il faut vraiment suivre. Pardon. Bonjour Éléonore. Vous êtes en plein exercice là, donc vous êtes en train de nous expliquer comment défibriller correctement, c'est cela ? C'est ça. Alors, dites-nous, on fait d'abord un massage cardiaque ? Ben, ça dépend en fait si on a un défibrillateur ou pas directement à côté de nous. Si le défibrillateur n'est pas mis, c'est vrai qu'il faut commencer directement à masser et par la suite, si un défibrillateur arrive, suivre ce qu'il nous dit. D'accord, on s'y colle pour la démonstration ? Mais oui. Alors, c'est parti ? Montrez-moi. Je vous montre. Alors, dites-moi comment on fait pour placer ses mains ? Alors, du coup, d'abord, vous placez vos genoux bien, votre corps en avant, les épaules en avant. Vous imaginez donc une ligne entre le nombril et le menton ainsi que les deux tétons. C'est ici que vous poserez vos mains avec votre paume en fait. Voilà, l'autre main par-dessus, plutôt comme ça. Voilà. Quand vous faites une pression, donc c'est environ 5 cm, vous verrez le curseur rouge qui ira dans le vert. D'accord. Et vous faites ça 30 fois avec 2 secondes de pause. C'est parti. Et ça, vu qu'il y a un défibrillateur, du coup en fait il vous dira d'arrêter ou de recommencer. Donc tant qu'il vous dit rien, vous le faites. Il faut essayer de compter fort aussi. Vous savez à combien nous sommes là ? Non. Vous en êtes où ? 21. 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2 secondes de pause et c'est reparti. Et on reprend. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, donc de retour à Dieppe, il est au point visiblement Alex sur tout ce qui est massage cardiaque, donc si vous tombez dans les pommes dès la chaîne, on sera un plaisir de le voir. On est de retour donc à Dieppe, toujours en direct avec deux nouveaux invités. On va parler un peu plus de la course avec vous, Jean-Baptiste Durier, directeur du Tour de France à la voile, bonjour à vous. Bonjour à vous. Et puis Nicolas Dubois, on était avec le président tout à l'heure, vous êtes l'entraîneur adjoint du FC Dieppe. Bonjour. Bienvenue. Alors tout d'abord la course évidemment, on va juste expliquer un petit peu, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Il y a les étapes et puis il y a ce qui s'est passé en mer. Présentez-nous un petit peu globalement ce que c'est que le Tour de France à la voile. Oui, on va le présenter très rapidement et dans les grandes lignes. Non, c'est une compétition donc, qui mixe des équipages professionnels du top niveau français avec des équipages amateurs. Dont l'équipage normand dans les amateurs. Dont voilà. Un équipage normand en tête du classement amateur et qui sont en compétition sur deux types de parcours. Des étapes de ralliement qui rallient une ville A à une ville B. Et puis, comme on est gentil, on reste un petit peu dans les villes qui nous accueillent, ce qui nous permet d'organiser des parcours
parcours beaucoup plus proche des côtes pour que le public puisse assister à ces parcours. Quand on est en bord de mer, j'ai vu ça ce matin par exemple, on voyait les bateaux. Alors on comprenait pas forcément tout quand on est au bord de mer, mais on les voit en tout cas parcourir, et ça déjà c'est pas mal, hein. C'est vrai que c'est cette partie là intéressante. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire vraiment avec ces parcours techniques, de rapprocher hein, le spectacle sportif de la terre et du public. C'est vrai que le large est un peu loin parfois, donc c'est pour ça qu'on fait ces parcours techniques. Donc le vainqueur aurait gagné le parcours d'étape à étape, plus les parcours en pleine mer à ce moment-là. Exactement, c'est en fait un peu comme le Tour de France cycliste, hein. Vous avez un classement général et puis deux classements par spécialité. Un classement au large qui donc récompense les meilleurs équipages sur les étapes de ralliement, et puis un classement technique qui récompense les meilleurs équipages sur ces petits parcours techniques proches de la terre. C'est un peu nos maillots verts et nos maillots à poids à nous. Mais c'est bien la comparaison, parce que c'est vrai que c'est en ce moment, c'est la même organisation, Amaury Sport Organisation. C'est depuis peu de temps d'ailleurs, vous avez récupéré, si on peut l'appeler comme ça, le Tour de France à la voile. Il y a forcément un parallèle entre les deux courses. On a l'habitude, en gros, chez ASO, d'organiser ce type d'événement. Donc, récupérer la mer, c'est une logique. Oui. Bah, si vous voulez, nous, chez ASO, on organise une cinquantaine d'événements sportifs par an. Alors, évidemment, le fleuron d'entre eux, c'est le Tour de France cycliste. Et on est vraiment spécialisé dans l'outdoor. C'est-à-dire que nous, on organise des événements en cyclisme, en sport mécanique avec le Dakar, en golf, en épreuve de masse et donc désormais en voile. Et clairement, on est hors stade et hors salle. Voilà, on n'aime pas tout ça. On est ouvert au grand public. Ça fait partie des éléments. C'est la plupart de ce que vous organisez, on est dans du gratuit. C'est-à-dire qu'on voit les choses gratuitement. Alors, grâce à l'apport de partenaires, on va en parler dans un instant, mais la notion de gratuité ouverte à tout le monde, elle fait partie de l'intégralité des choses. Elle est extrêmement importante pour nous. Christian Prudhomme, qui est le directeur du Tour de France cycliste, a l'habitude de répéter que le Tour, c'est la seule compétition sportive qui vient sur le pas de votre porte. Et bien, avec le Tour de France à la voile, on ne peut pas venir sur le pas de la porte des gens parce qu'on n'est pas à Venise, mais on vient sur le pas de votre porte. Exactement. Alors, combien de participants? J'ai l'impression, j'ai vu ça un petit peu, j'ai lu, il y en a un petit peu moins que les années précédentes. Même le Tour est un petit peu moins important parce que moins de participants, c'est un peu lié. Alors non, c'est pas du tout lié. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a moins de participants que les années précédentes. On a 9 bateaux cette année. On évolue malheureusement dans le cadre d'un contexte économique contraint qui a conduit certains équipages malheureusement à annuler leur participation faute de financement suffisant. En revanche, on a un plateau d'une très grande qualité. C'est vrai qu'un certain Franck Camas, ça parle quand même tout de suite. Hein, ouais, c'est ça. Franck Camas, ça parle. Sidney Gavinet, qui est le skipper d'Oman Sail, qui a gagné la Volvo Ocean Race, c'est aussi un nom extraordinaire. Nicolas Troussel, qui a gagné deux fois la solitaire du Figaro, c'est un clan très fermé, donc le succès est là. Mais en revanche, je voulais terminer sur le deuxième point de votre question, et si c'est un peu difficile sportivement, et on s'attelle et on va annoncer de belles choses à la fin du Tour de cette année, en revanche le Tour, c'est une extraordinaire fête à terre qui n'arrête pas de se développer depuis 2 ans. Je pense que vous avez pu assister comme moi à cette belle fête toute la journée et depuis hier, et qui va continuer demain avec les Diepois au rendez-vous du Tour, hein, au rendez-vous de ce village animation, au rendez-vous de la caravane publicitaire, des animations sur les plages. Donc le Tour est en pleine expansion, bien au contraire. Alors pourquoi ces 3 semaines au lieu de... Et vous avez complètement zappé l'Atlantique, j'ai l'impression, cette année. Nous, c'est pas grave, on est sur la Haute-Normandie, sur la Manche, ça nous arrange. Quel est le choix autour de ça? Ouais, le choix, c'est qu'on a effectivement réduit d'une semaine cette année le format du Tour. L'idée, en fait, c'était de proposer les conditions d'un événement encore plus dense, encore plus intense sportivement, et donc, on l'espère, encore plus intéressant à suivre pour les médias et in fine le grand public. Ce qui nous a conduit à faire des choix. On fait la même chose avec le Tour de France cycliste. Et 3 semaines est plus facile à gérer médiatiquement qu'un mois? C'est plus court, c'est plus ramassé, c'est plus intense, et voilà, il y a peut-être un peu moins de phénomène de lassitude au milieu. C'est long, un mois. Bien sûr, oui, c'est ça. Voilà, donc 3 semaines, c'est un peu plus court et plus péchu. Et voilà. Mieux 3 bonnes semaines que 4 mauvaises semaines, c'est ça? Alors les quatre semaines étaient très bonnes. C'est mauvais, d'habitude. Non, les 4 semaines étaient très bonnes. Simplement, c'est vrai que ça peut être compliqué, voilà, de bien vivre au milieu de 4 semaines. 3 semaines, c'est plus péchu, plus intense. Et en ce qui concerne l'Atlantique, on y reviendra. L'idée, c'est simplement. C'est simplement comme sur le vélo, de faire des choix géographiques en fonction des années, mais on ira partout. Quant à Dieppe, je vous laisse la responsabilité de vos propos. C'est le président de la chambre de commerce qui m'a dit.
tout à l'heure. Moi après, voilà, on verra ça, ce sera à suivre. Évidemment, moi je ne fais que relayer, je ne suis pas le décideur, évidemment. Un mot quand même sur ce village, sur le nombre de personnes qui viennent chaque année sur les villages. Est-ce qu'on a des chiffres forcément qui sont bons, j'imagine ? Bah, ils sont plutôt bons, on en est fiers. Donc, je crois que le président l'a annoncé tout à l'heure, c'est la Chambre de commerce et d'industrie hein, qui s'occupe du comptage ici. Donc c'est tout à fait neutre, ce n'est pas selon l'organisateur. 103 000 personnes qui sont passées sur le village l'an dernier. J'ai pas du tout les chiffres cette année, mais je crois que c'est relativement extraordinaire depuis hier. Le temps est de la partie en plus. Donc, non, c'est à l'image de ce qu'on voit ailleurs ou c'est Dieppe est meilleur que les autres? J'ai envie de vous flatter et de vous dire que Dieppe est meilleur que les autres. Non, Dieppe, c'est une ville avec laquelle on a un attachement extrêmement fort. C'est la 24e année consécutive que le Tour revient, 26e fois en 37 ans d'histoire. C'est considérable. Je crois qu'il y a, quelque chose dont on parle souvent avec le président Garçonnet. Ouais, une histoire, une récurrence et un vrai rendez-vous. Je crois que le Tour marque vraiment pour Dieppe le début de la saison estivale. Et on est très fiers et on espère que ça continuera très longtemps. Alors, vous avez parlé de la caravane. C'est vrai que ça, c'est une habitude dans le Tour de France, vélo, et là vous l'avez amené donc sur le Tour de France, on l'avait vu tourner un petit peu. C'est vrai que ça implique les gens d'un petit peu plus loin, c'est un peu l'idée. Oui, clairement. Alors déjà on repique les recettes maison quand elles sont bonnes. Vous les connaissez, elles sont bonnes et ça fonctionne. Tout à fait. Non, simplement l'idée c'était de se dire, ça n'existait pas, hein. On l'a lancé l'an dernier, et c'était de sortir le Tour de ses frontières naturelles. Les frontières naturelles, c'est le ponton derrière moi et puis le village, et d'aller vraiment à la rencontre des gens. Il y a plein de gens qui connaissent pas la voile, il y a plein de gens qui connaissent pas le Tour de France à la voile, et ben c'est d'aller leur porter un peu la bonne parole du Tour, d'aller leur dire qu'on est là. C'est le cirque d'antan, c'est ça ? C'est un peu le cirque d'antan. Au bon sens du terme. Et non, c'est absolument pas péjoratif, bien sûr. On fait notre pub et on dit qu'on est là et on porte notre bonne parole, voilà, via la caravane et puis via des animations sur les plages. Aujourd'hui, Groupama, c'est un des favoris pour parler sport vraiment en tête quasiment depuis le début. C'est l'apport Franck Hamas ou c'est l'habitude de gagner parce qu'ils ont gagné l'an passé? Ouais, c'est un peu des deux. Bon, au Groupama, de toute façon, aujourd'hui, c'est une référence mondiale. Hein, cette équipe, elle concourt aujourd'hui en Extreme Sailing Series, qui est vraiment un des circuits, un des top circuits mondiaux. C'est une équipe qui a gagné la Volvo Ocean Race, qui est sur le Tour de France à la voile depuis l'an dernier. Il y a évidemment un effet Hamas parce que c'est un vrai leader, extrêmement pointilleux et extrêmement talentueux, effectivement. Et puis, qui a un charisme. Mais qui entraîne comme ça derrière lui toute son équipe. Ce sont des perfectionnistes. C'est vraiment impressionnant à voir sur le terrain, sur l'eau, mais en fait pas que sur l'eau parce que ça se passe aussi à terre. Donc, voilà, c'est de grands professionnels. Vous parlez des amateurs, donc l'équipe en l'occurrence Normandie ACRL en fait partie. Ça veut dire quoi concrètement amateur pour les non spécialistes? Ça veut dire c'est les gens qui viennent et qui débarquent, qui font un peu de bateau chez eux et qui viennent? J'imagine que non. Alors on va dire que ce sont les amateurs éclairés. Éclairés, ouais, un temps soit peu. Non, ce sont de très bons amateurs et ça veut simplement dire que ce sont des personnes qui malheureusement ne vivent pas de la voile. Mais non, ce sont des gens d'un excellent niveau sportif et on voit d'ailleurs que sur certaines manches, ça arrive rarement, mais ils peuvent venir taquiner les professionnels. On va sûrement reparler de l'équipage Normandie juste après. Mais ce matin, à Dieppe, l'équipage de Toulon-Provence-Méditerranée a donc terminé en tête du premier parcours technique. Donc vous voyez qu'ils sont bons. Alors justement, toutes les équipes ont un nom, pas que d'entreprise, mais aussi de région. C'est quoi aussi l'élément prépondérant autour de ça? Forcément, quand on est ici à Dieppe, on va suivre l'équipage normand. Ça fait partie des éléments? Bah oui, ça fait partie des éléments. C'est un peu comme un club de foot ou un autre club de sport. On a envie que les gens soient fiers de leur bateau, fiers du bateau, de leur ville, de leur département ou de leur région. À Dieppe. Ça rappelle le cyclisme de l'époque? Et on avait les pays, on avait les régions, c'est un peu non, ça. Non, mais tout à fait, ça rappelle le cyclisme de l'époque. Et encore une fois, c'est ni plus ni moins que ce qui se passe dans d'autres sports, en foot, en rugby, en hand, en basket. Voilà, on a les champions locaux. Ici, c'est l'équipage de Normandie. Et c'est évidemment important pour que les gens puissent s'identifier et aimer un équipage, supporter un équipage en particulier. Honnêtement, passer 3 semaines à faire le Tour de France comme ça sur la voile, c'est la classe quand même, c'est génial. Ah, je crois que c'est la classe, c'est pas vraiment la classe pour moi, c'est moi je suis pas sur l'eau, donc c'est surtout la classe pour eux. Non, c'est plutôt sympa. Organiser, ça va, on sent quand même que c'est une super ambiance, cette grande tournée. Évidemment, il y a toujours un peu de stress parce que tout peut se passer sur l'eau, on est bien d'accord. Là, les conditions sont quand même plutôt agréables. Et, visiblement, entre Dunkerque et Dieppe, c'était un peu plus houleux, on va l'appeler comme ça. C'est tombé ici après, de toute façon. Mais
ça reste quand même un super événement. On est sur les ports, on est en bord de mer. Il y a quand même une ambiance qui est incroyable. Voilà. On fait tout. Il y a une ambiance évidemment incroyable. Nous, on travaille beaucoup et on essaye de faire en sorte que ça se voit le moins possible. Mais en tout cas, pour que ça soit une grande fête populaire pour le public. Et je crois que c'est plutôt une réussite quand on voit tout ce qui se passe autour de nous. On va rester à Dieppe, mais cette fois-ci avec Nicolas Dubois, donc entraîneur adjoint. Bonjour à vous. Oui, bonjour. On était tout à l'heure avec votre patron, voilà, le président, monsieur Coquelet, qui nous a un peu parlé évidemment de la transition économique qui s'est plutôt bien passée. Vous restez en CFA. Oui. On va parler sport maintenant, concrètement, sur le terrain. Des joueurs, certains sont partis, mais beaucoup sont restés. On en est où concrètement? On est début juillet. Concrètement, on a entamé la préparation et les entraînements le 7 juillet, donc hier. Le recrutement va se finaliser là dans les heures à venir, voire les jours à venir. Donc on aura un groupe de 24 joueurs de niveau CFA pour entamer le championnat. Alors les noms, évidemment, Antoine Buron, il continue, ça fait partie forcément des noms à Dieppe. Oui, je pense qu'on va pouvoir se mettre d'accord avec Antoine. Là, il est en vacances, donc on le laisse tranquille pendant les vacances, mais on va réussir à se mettre d'accord avec lui lorsqu'il rentrera de vacances sans aucun problème. Le nouvel entraîneur, c'est Monsieur Ozou, Didier Ozou, qu'on connaît à Pont de l'Arche historiquement, qui est parti voilà, dans les Émirats et qui revient. Ça y est, il est arrivé. Qu'on connaît surtout à Dieppe. Hein, oui, parce évidemment, que, évidemment aussi à Dieppe. Voilà. Non, il est arrivé, il est rentré du Qatar. Malheureusement, là, il a été un peu reporté dans son voyage retour du Qatar. Donc on lui a laissé quelques jours de vacances pour qu'il puisse entraîner dès le 15 juillet la semaine prochaine. Les ambitions, vous étiez à la 12e place. Vous êtes battu un peu avec Quevilly, on est sur la Haute-Normandie, des fois vous étiez devant, des fois derrière. Est-ce que il y a quelques ambitions? J'ai lu à droite, à gauche que visiblement, alors peut-être pas sur cette année parce qu'on est sur une année un peu particulière qui va arriver sur la saison, mais sur les 2-3 prochaines années, on ambitionne peut-être d'aller un petit peu plus haut. On peut parler d'année de transition cette année, oui, mais après l'objectif c'est de consolider le projet sportif global, à la fois au niveau des jeunes et à la fois au niveau de la CFA, en essayant de garder le maximum de joueurs chaque intersaison, en consolidant cet effectif pour l'amener peu à peu à franchir les étapes. Pourquoi pas pour aller en national? Je pense que le public ici, il aimerait, et les infrastructures, tout l'engouement qu'il y a autour de ce club mérite un niveau au moins de national. Vous êtes de la région? Oui. Le Tour de France à la voile, ça vous parle forcément? Ah, j'en discutais tout à l'heure. C'est vrai que moi, globalement, les sports nautiques, je m'y intéresse pas trop. C'est vrai que quand on a des événements comme ça qui arrivent à Dieppe, eh ben, forcément, on s'y intéresse un tout petit peu. C'est pour ça qu'on notamment fait un tour ici pour être passer voir. Être à Dieppe et pas s'intéresser aux sports nautiques? Ah oui. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Très mal. Je m'en doutais. Est-ce que directeur du Tour de France à la voile suit un peu le football? Bah oui, moi je lui rends pas l'appareil, moi j'aime bien le football. Je viens de travailler dans un club il y a quelques années, le Paris Saint-Germain, voilà. Ah donc, oui, on connaît pas, on l'a jamais entendu parler. Pas trop, non. C'était une autre époque. Le lien entre les deux sports est intéressant, c'est vrai qu'on peut passer du PSG au Tour de France à la voile? Ah bah oui, bah heureusement. Oui, non, évidemment. La vie serait bien malheureuse et bien triste autrement, non, sans aucun problème. Je me mettrai peut-être à la voile, hein, on ne sait pas. Hein. Donc on ne peut pas passer à un moment donné. Vous allez bien l'emmener à un moment d'ici demain. Ah bah s'il me propose d'aller faire un tour, j'irai volontiers. Un tour, on va arranger ça. On va en rediscuter. Voilà. Pour ceux qui nous regardent là maintenant, demain, il y a de nouveau de compétition à Dieppe et ça sera le départ. Concrètement, le planning, le calendrier, c'est quoi? Ouais, alors concrètement, le planning à partir d'aujourd'hui, de maintenant, déjà, c'est une grande soirée, un village animation qui va vivre jusqu'à ce soir, 22h, 22h30, avec des concerts. Mitraille est à droite et mitraille est à gauche, et monsieur Tombeau là. Exactement, qui nous fera le grand plaisir d'être avec nous. C'est toujours un grand succès en fait, hein, et le public est bien présent au rendez-vous, donc c'est assez rigolo à voir. Et puis, un village qui va vivre toute la journée demain, encore une fois. Déjà ce soir, c'est jusqu'à quelle heure? Alors, c'est jusqu'à 22h30 grosso modo ce soir. Selon l'ambiance. Voilà, selon l'ambiance. Et puis, mais elle sera bonne. Et demain, de 10h à 22h également, avec le village animation ouvert toute la journée. Il y a vraiment de super partenaires, de belles animations. Donc, on encourage les gens à venir vraiment nombreux nous rendre visite. Et puis, en ce qui concerne les bateaux, demain, ça sera un petit peu repos pour eux demain matin et début d'après-midi. Et puis, ils vont devoir affronter de très, très grosses conditions pour partir vers Granville demain soir. Donc, on a un tout petit peu retardé le
départ, et ce qui est une chance pour le public d'Épois, puisque au lieu de partir demain en milieu de journée, grosso modo, ils vont partir en fin d'après-midi, vers 17h. Donc voilà, vous n'allez rien rater, venez nombreux nous voir sur le Tour de France à la voile. Au Havre, il y a la Transat Jacques Vabre. Avec la météo, ils ont dû décaler un petit peu. Ça vous arrive, j'imagine, de temps en temps? Alors c'est vrai qu'on est au mois de novembre, hein. Forcément, la météo du mois de novembre et la météo du mois de juillet n'est pas la même. Ouais, ça peut nous arriver le moins possible. Je vous laisse imaginer mes sueurs froides quand ça t'arrive. Quand ça arrive, c'est là où c'est moins drôle, finalement. Ouais. Mais non, ça peut arriver. C'est vrai que c'est un sport où évidemment les éléments sont prépondérants et autant on envoie nos marins dans de grosses conditions, autant on fait pas n'importe quoi non plus. Parce qu'on est responsable que tout se passe bien, donc on fait attention. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé qu'on décale d'une journée, des choses comme non. C'est déjà arrivé dans l'histoire du Tour, pas depuis 3 ans qu'on est là. D'accord. Mais ça peut arriver. Donc voilà, rendez-vous donc jusqu'à demain, en fin de journée quasiment, pour le grand départ donc des voiliers de ce Tour de France à la voile. Nous, on reste encore un peu de pub, un petit sujet, et puis on se retrouve nous vers 18h pour la dernière partie de Ça vaut le détour, toujours en direct et au soleil à Dieppe.